là-dessus. Bienvenue sur la page Facebook. Bienvenue pour la louange en famille. On vous salue, chacun, chacune. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'on puisse être reconnaissant vers le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Amen. Père Céleste, je te prie pour tous ceux qui seront là, Seigneur, en direct, et ceux qui seront là en différé. Père, puisses-tu nous toucher puissamment, toucher nos cœurs, toucher nos vies, toucher nos familles. Seigneur, tu es toujours présent dans nos vies, tu es toujours là, tu es à l'écoute de chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, que ta bénédiction soit au milieu de chacun d'entre nous, chaque famille ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et nous sommes là pour élever ton nom ce soir. Amen. Amen. Alléluia. On va commencer, on va lire, c'est pas un psaume encore une fois, ce soir je vais lire dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37 à 39. Est-ce qu'il y en a qui ont soif? Oui, amen. Il faut avoir soif pour pouvoir suivre le Seigneur. Une soif qui va amener un fleuve dans nos cœurs, dans nos vies, qui va couler du cœur de Dieu, et cela va se répandre un peu partout. Il faut que notre cœur soit bien disposé à recevoir ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors Jésus va dire, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Le Saint-Esprit dit ce soir à tous ceux qui sont là, « Si tu as soif, viens vers moi, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur devant moi, je vais te donner à boire de l'eau, spirituelle, de l'eau qui guérit, de l'eau qui délivre, un fleuve qui va couler dans ton cœur, qui va apporter une exaltation vers Dieu, une louange vers Dieu, un remerciement vers Dieu. » Alors, verset 38, il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois en lui, tu vas recevoir ces eaux vives. Ces eaux vives vont te transformer. Ces eaux vives vont avoir, il va te donner la faim, la soif de la parole de Dieu, de Jésus, connaître Jésus. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais nous savons que Jésus a été glorifié. Il est allé auprès du Père, mais il nous prépare une place et il revient bientôt. Amen. Gloire à Dieu qu'on puisse le louer ce soir de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Amen. Là, on est un peu collés. On va le faire comme ça ce soir, puis on va l'arranger pour les autres fois. Sinon, compliqué les téléphones intelligents. Il n'y a pas ça des téléphones intelligents. Alléluia. Gloire à Dieu. On va commencer avec un chant. Chaque instant de chaque jour. Alléluia. Jésus, est-ce qu'il prend soin de vous chaque instant de chaque jour? Oui, amen. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, il m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Chaque instant de chaque jour, parce qu'il vit, parce qu'il vit, le miracle.
Alléluia, Amen. Avant toi, ô Seigneur, Alléluia, Amen.
Amen, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que le Seigneur marche en avant? Alléluia, oui, le Seigneur marche en avant. Glory. Ah, est-ce qu'il est passé, celui-là? Ah oui, ah, ah. Ben oui. Oui, on va faire, j'ai l'assurance avant. J'avais sauté un petit temps. Amen. Amen, gloire à Dieu. Comme d'habitude, en toute simplicité, frère et soeur, amen. J'ai l'assurance de mon salut. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Alléluia. Amen.
chose, Seigneur, cette rédemption éternelle. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Que ton nom seul soit loué ce soir. Que ton nom seul soit exalté à travers ces chants. Que la louange à travers l'adoration, car toi seul mérites l'adoration, mérites d'être élevé. Alléluia. En toute dignité. Alléluia. Gloire à ça. Alléluia. Le Seigneur marche en avant. Parce que le Seigneur marche en avant. Alléluia. Le Seigneur marche en avant. Et son peuple est tout puissant. Et sa gloire nous révèle sur toute la terre. Et en victoire par notre Dieu, nous sommes toujours victorieux. Sans que l'ennemi ne nous résiste là. Le Seigneur en chemin. Le Seigneur. Hallelujah.
Votre Dieu est vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Faisons nos armes. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Vous savez, il y a des armes que le Seigneur nous a données. Il faut prendre ces armes si nous voulons être victorieux dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Est-ce qu'il y a une génération qui se lève et qui va louer le Seigneur? Alléluia. Qui va proclamer la gloire de son nom? Alléluia. Qui va dire, alléluia, que le Dieu d'éternité m'a sauvé, m'a racheté de tous mes péchés? Alléluia. Il m'a rendu à sa gloire de son nom. Sa gloire réside au milieu de l'Église. Alléluia. Qu'on puisse le célébrer, qu'on puisse le louer en esprit et en vérité, qu'on puisse le crier. Alléluia. Oh, Jésus revient bientôt, mes amis. Il faut être prêt, il faut se sanctifier, il faut se repentir devant le roi des rois et reconnaître qu'on n'est que des hommes, alléluia, et des femmes, alléluia. Une génération se lève. Est-ce que tu te lèves aujourd'hui? Alléluia. Ceux qui écouteront en différé, est-ce que tu te lèves pour le Seigneur Jésus? Est-ce que tu propages l'Évangile? Est-ce que tu dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Alléluia! Es-tu né de nouveau? Alléluia! Es-tu sanctifié? Es-tu régénéré dans les lieux célestes? Alléluia! Oh Lord! As-tu l'amour de Dieu en toi? As-tu cette miséricorde envers les âmes qui sont perdues à l'extérieur? Oh Lord! Donne la machine dans les paroles dans la main! Alléluia! Une génération. Se lève par la foi.
Qui me vivifie
Est-ce que Dieu est bon? Amen. Yes, alléluia. Il est bon de louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. De toute notre force. Alléluia. Répandre notre cœur devant lui, notre esprit devant lui, tout devant lui. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il est mon abri, il est ma forteresse. Il est mon asile. Il est mon protecteur. Alléluia. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Sur toi, je m'appuie sur toi.
Yeah.
Merci Seigneur, alléluia. Ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la joie. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. On a terminé la soirée de louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. On passe tout le temps des bons temps dans la louange avec le Seigneur quand on le loue en toute liberté. Amen. Et qu'on puisse continuer durant la semaine de louer, l'adorer et s'approcher de lui constamment, frères et sœurs, car nous avons besoin de lui. Amen. Nous avons besoin de Jésus. L'Église a besoin de se rapprocher du cœur de Dieu de plus en plus. Alléluia. En sachant les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous parle. On doit être attentif à l'Esprit de Dieu. On doit être attentif. On doit ouvrir nos cœurs. On doit ouvrir notre esprit à ce que l'Esprit de Dieu nous donne. Alléluia. Dans ces derniers jours. Et Dieu va faire des choses extraordinaires à la fin des temps, à la fin que nous vivons, même si c'est des temps difficiles, même si des temps mauvais qui sont en avant de nous. Si nous gardons sa parole et si nous regardons à lui seul, il nous gardera de l'heure de la tentation qui vient sur ce monde. Sur ce monde, hein, sur le monde entier, il y a une heure qui vient sur ce monde, frères et sœurs. Et cette heure, Dieu seul le sait. Lorsqu'il décidera que cette heure viendra, il viendra selon l'ordonnance et selon l'autorité du Dieu suprême, de l'Éternel des armées. Alléluia, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le grand je suis. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Jacob, il est le Dieu d'Isaac, alléluia, il est l'étoile du matin, il est le lion de Juda, il est le seul chemin, il est la vie éternelle, il est le soleil de l'heure, alléluia, il est la justice, il est le grand sacrificateur, il est le berger, il est la porte évangéliste et le pasteur, alléluia, il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, alléluia, alléluia, il vient bientôt le roi des rois, il vient chercher l'église, glorieuse, sans tache, irréprochable, lavée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire en puisse, qu'on puisse le glorifier, qu'on puisse élever le nom de Jésus au milieu des familles, au milieu de cette nation. Alléluia. Au milieu de l'Église. Alléluia. Commencez à proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la croix. Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Nous te bénissons. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, ce soir. Car toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne d'adoration. Reçois l'adoration et l'exprimation de nos cœurs, Seigneur, devant toi. Alléluia. Nous t'aimons et nous t'attendons. On souffle, Esprit de Dieu. Souffle sur ton Église. Souffle sur les familles. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Viens bouleverser, Seigneur, comme les apôtres ont bouleversé ce monde. Viens bouleverser, Seigneur, cette génération. Viens bouleverser ton Église. Alléluia. Viens ébranler tout ce qui doit être ébranlé dans le nom puissant de Jésus pour ta gloire seule. Amen et amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus. On aime tellement Jésus. On aime tellement l'Église. On aime tellement nos frères et nos sœurs. Alléluia. Oh, on a de la misère arrêtée hier soir. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vous aime et on vous dit, Dieu voulant, dans deux semaines, dans two weeks. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Soyez bénis. On vous aime. Passez une bonne fin de soirée. Glory. Praise the Lord. Hallelujah.